Bonjour à tous, cette fois-ci, je vais vous emmener un peu dans mon quotidien. Vous verrez mes habitudes beauté et comment il est possible de vivre 100% au naturel. Donc, la première chose que je fais le matin, c'est une bonne toilette. Pour ceux qui se demandent, oui, vous ne verrez que mes bras. Ensuite, je démêle mes longueurs doucement, mais sans jamais tirer si je trouve un nœud. J'attache mes cheveux et c'est le petit plaisir du matin. Quelques vaporisations de thé vert pour retirer les cernes et entretenir la peau. En plus, c'est ultra rafraîchissant. Et voilà, toute propre et fraîche pour déjeuner avec Martine, la reine des tartines. Un bon bol d'avoine, du miel et une banane, bon appétit! Bon, maintenant, faut trouver ce que je vais mettre, parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée! À présent, magie, de pyjama, je passe à vêtements. Avouez que vous n'avez jamais vu ça. Bon, maintenant, une petite coiffure pour aller en classe. Tout dépend de ce que je porte, mais là, c'est du 100% synthétique, donc chignon oblige. De retour à la fac, les cours, les profs, les potes, tout ça m'a tellement manqué. En même temps, il faut dire que j'ai les meilleurs cours de tous les temps. Sérieusement, qui a des cours sur James Bond? Bon, je profite en général du dimanche pour faire un bon masque aux huiles. Et aussi pour filmer des vidéos. Mais revenons aux huiles. En général, j'alterne tournesol ou coco. Ce sont mes deux préférés. Je répartis l'huile avec les doigts, sans oublier les pointes et les racines, et je laisse poser toute la journée. Et qui dit masque aux huiles dit shampoing. Un œuf, à supposer que j'arrive à l'ouvrir. Oui bio et oui systématiquement. Chez moi, il n'y a pas de shampoing synthétique. On n'oublie pas l'après-shampoing, à conserver au frigo, bien sûr. Et enfin, le gel douche, un savant mélange de farine, de maïs et de vinaigre. Non, ok, je fais toujours le mélange au pif, il n'y a pas vraiment de quantité. Bon, c'est parti pour la douche. Me revoilà! Bon, bien sûr, je n'ai pas non plus de sèche-cheveux, donc mes cheveux sécheront tout seuls. Et voilà, vous savez tout. Sur ce, bonne semaine, bonne rentrée à tous, et prenez soin de vous! Fais tout tomber. C'est pas facile de filmer dès le matin quand on n'est pas réveillé. Bon, voici Martine, la reine des tartines. Là, on a Clément le croissant. Il est mignon, hein. Et puis là, on a Bérangère, la cafetière.